Salut! Alors aujourd'hui, remplacement d'un vérin sur la pellette. Alors le premier lettre, c'est la marque. Ensuite, c'est la taille du vérin. Et CD3, ce truc-là, j'espère bien que c'est le numéro de série parce que ça concorde pas sinon. Alors, il me semble que ce soit bon. On va voir ça. On enlève ça. J'imagine qu'on met un premier joint en cuivre. Ensuite ça qui perd plein d'huile. Ça. J'espère qu'on va pas se retrouver chocolat en faisant n'importe quoi. Ouais, ça commence à être n'importe quoi, fallait que ça rentre dedans. Bon, en fait, faut réussir à les passer par ici. Ce qui est pas super simple parce que ça met de l'huile hydraulique en même temps, absolument partout. Du coup, il n'y a plus d'écologie. Et voilà. En plus, le pas de vis a été forcé. Tout ça s'est tabassé au marteau tout le temps pour être réparé. Pour en prendre soin, quoi, de la mécanique. Bon, il a fallu que je tape au marteau finalement, parce que le problème, c'est que la tôle est toute déformée. Deuxième jour, j'essaye d'ajouter un graisseur au bas. Alors, genre celui-ci. Non, il n'y a pas de tas de vis en fait. Alors, je sais pas si on est censé en créer un, si on peut y aller direct. Alors la technique c'est d'en mettre deux dans la même douille pour pouvoir visser la première. Du coup, petit graissage avec la pompe à graisse. Et une cartouche de graisse évidemment, parce que ça sert à rien d'en acheter une s'il n'y a pas de cartouche de graisse avec. Hop, pas plus. Par contre, j'arrive jamais à la tirer. Pas très difficile la mécanique. Plus difficile, c'est de réparer le travail des bourrins. Et voilà tout neuf. Mise en place du cardan. Et après, il faudra remettre de l'huile hydraulique. Et je crois que pour ça, il faut détendre tous les vérins. Voilà. Faut remettre un peu de graisse sur celui-là. Voilà. Et surtout, on ne tape pas au marteau sur les cardans.
ça marche. Évidemment, faut pas passer du tracteur à la pellette en passant par le cardan, c'est super dangereux. Alors là, j'ai fait du chop and drop l'année dernière, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Bon alors, il va me falloir me faire tomber quelques arbres. Celui-là, il est trop jeune, il sert à rien. Celui-là, il est trop fin, ça sert même pas en bois de chauffage. Celui-là est tordu, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Même pas en bois d'œuvre. Celui-là, trop blond. Celui-là, trop vieux. C'est n'importe quoi. Voilà ce qu'on aime par chez nous. Une monoculture de sapin douglas bien en ligne. Au moins, on peut faire du bois d'œuvre. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Bon, évidemment, c'est une blague. Faut arrêter de déforester partout et faire des monocultures. Par contre, ce qui n'est pas une blague, c'est... Rock and roll!